Tout le monde, c'est Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Cross Life sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! C'est vrai, hier, on avait fermé le barrage. Quand on va dans l'eau, on va être... Ah, c'est pas là. Il y a une trappe de la cuisine aussi. Faire tout de suite. Il fallait le faire une traite, je comprends. Allez, combat, combat! Parap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 
saut de magie. C'est quoi ça? Ah là, je pouvais descendre, je crois. Non. Si. Une astuce, mais... Là, je peux-tu monter là? C'est ça, là? Espèce de caribou mêlé, réveille. Là. Va avoir ta lumière, caribou, aujourd'hui, là. Tabarouette. Yark. Thank you.
Quoi, Loche? T'arrives pas à faire mes spéciales? Yes. Mais que... Je suis innocent. Et puis alors... Hein? Qu'est-ce qui se passe? Voyons. Qu'est-ce que je fiche ici? L'odeur de la mer me manque. Il y a quelque chose là-dessous. Il y a quelqu'un? Oui, une petite seconde. Oh! Non, un typhon, lynx. Calme-toi, tu crois vraiment que lynx serait ici? Je l'ai sous les yeux, non? Non, ce n'est pas lynx. C'est caribou à l'intérieur. Tu te fiches de moi? En même temps, je vois pas pourquoi il serait ici. En tout cas, je suis content que vous soyez venu me sauver. Je vous voudrais ça. On n'est pas ici pour toi. On vient pour sauver la fille du général Ophid. Ah, d'accord. Ben, vous m'avez quand même tiré de là. Je vais vous aider. Tu sais où se trouve le Figlia, la fille du général Ophid? Oui, on m'a enfermé une petite dame dans celui de la côté.
Et sinon, comment on sort d'ici? Voici la clé de la prison. Merveilleux. Je vais aller libérer les autres et on prend tout ce large. Bonne chance à vous. Colonel, voici notre arme secrète, le Cuisto Infernal. Mais c'est Orca, le cuisinier. Que lui avez-vous fait? Nous lui avons fait manger des graines de catalour venues du marais des Hydres. Elles ont le pouvoir de libérer le côté obscur de chacun. Il suffit ensuite de faire sonner une cloche spéciale. Et hop, Orca, le Cuisto Infernal, fait son apparition. C'est horrible. Mais pourquoi Orca? Nous avons besoin de lui pour voler la lame du dragon de Galdov. Évidemment, il n'a aucune idée de ce qu'il a fait. Maintenant, tenez-vous prête. Qui sait ce que ce fou furieux va faire pouvoir nous... va bien pouvoir vous faire. Non. Dame Ophélie, je suis venu vous sauver. Vous êtes le commandant Lynx. Mais que faites-vous ici? C'est pas Lynx. Comment? C'est trop long à expliquer. Nous venons chercher Ophélie. Quoi? Faut pas me déranger quand je cuisine. En même temps, vous allez peut-être relever ma soupe. Ça va chauffer. Et l'équipe de lune. Oui.
Hey, champ de gravité encore. Pas mal. Gravité 3. Et voilà. Facile. Le commandant Lynx a perdu la tête. On vous a dit que ce n'était pas Lynx. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose d'horrible, quoi. Ils ont repéré que mon air satisfait était une faiblesse. Ils se sont servis de moi. J'ai besoin qu'on me surveille. Je vais me racheter en venant avec vous. Pour me filer un coup de main, quoi. Orcar rejoint l'équipe, excellent! Pa-pa-da. Je m'occupe de faire sortir Dame Ophélie d'ici, en toute sécurité. Vous devez distraire les soldats pendant que nous nous fuirons. Je tiens à tous vous remercier du fond du cœur. Je vais me rendre à l'ermitage afin de veiller sur mon père. Venez nous rendre visite si vous en avez l'occasion. Ne vous inquiétez pas pour nous. Ces guignols de Palpori ne feront pas le poids. Merci, Mr. Flight. Qu'allez-vous faire après ça? Je reviendrai ici. Venez avec nous. Merci de votre proposition, mon honneur. Mais je suis un soldat de l'armée de Palpori. Je ne peux pas abandonner mes hommes et mon pays. Tout ira bien pour moi, merci. Je vous souhaite bonne chance. Nous ne pouvons pas rester plus longtemps. Au revoir. C'est exactement le bout que je voulais voir.
C'est vrai, vous pouvez aller, je sais. On est encerclé. C'est pas une bonne idée de partir. Maintenant. Non, okay. Où allez-vous comme ça, commandant Lynx? Je crois qu'on va devoir faire parler nos points ce coup-ci. Attrapez-les! Bon. Hey, à toi. Oh mon Dieu, vous êtes fort. Mais Borky est plus fort. Pierre de lune. C'est pas ça que je vais faire. Ouais, ça pourrait servir, c'est pas ça que je vais faire.
Allez. Et ça fait mal. Allez, éclipse de lune. C'est le temps. Un petit 200. 200, yep, yes. Calme-toi, hein. Oh shit. Mal. Il est pas loin de mourir, on est capable. Elle est sur tension. Oui! Yes! Oh! C'est le moment de lâcher la bête. Oh, tabarnak, là. Va les tuer.
Allez. Laisse-moi un break là, j'aurais aimé ça sauvegarder avant. Sauvegarder. Est-ce qu'au moins on peut utiliser les éléments? Équiper les éléments. Bon. Les grâces suprêmes sont où? On va voir que ça donne. Montrez ce que vous valez à Borky. T'es mort, on arrive même à te montrer. Bon, on met tout le monde à 100%. Au fur et à mourir, sinon on est prêt pour pas commencer. What?
Yes! Hey, une chance, ça fait ses 300 hier. Bien, ça là. Je crois qu'on l'avait réglé sans compte, tu. Par ici! On rentre pas dans la porte, tu vois. Le dragon va le frapper, il va tomber. Il est derrière nous. Montez. On est pris. Qu'est-ce qu'on fait? On n'abandonne pas, non! Faut qu'on se batte. Bon,
Non! Yes, si j'ai eu peur. Fait des erreurs que... Il y a un bouton pour faire descendre une échelle sur cette étagère. Vite, le temps presse. Pas monter, il va juste sauter. Poussez-vous. Arrête. Incroyable. Par ici en haut, il s'enfuit comme des rats. Mamma mia, on est fichu. Passez par le vitrail maintenant. D'où vous sortez comme ça? Commandant Lynx, j'ai l'impression que vous avez rencontré des problèmes. Qu'allez-vous faire? Les soldats de Palpouri sont partout. Ça devrait être intéressant. Allez, je m'en occupe. C'est quoi ce bruit? La barouette, ouais. Fantastico. Et tu sais, tu es. Pourquoi nous avoir sauvés? Vous vous opposez à l'armée de Palpouri. Borx y trouve ça intéressant. Borx ne reçoit d'autres que de ceux qui sont plus forts que lui.
Aussi Borsu va-t-il rejoindre votre combat? Faites appel à Tovin dès que vous aurez besoin d'aide. Fuyez tant qu'il est encore temps. Il devrait y avoir un bateau prêt à partir. Allons à l'Emirat. J'aimerais bien ça sauvegarder, voilà. Coffre à tomber, je vais aller chercher. Ah, on peut tout monter. L'eau est trop fort. On perd le coffre. Ba-da-ba-ba!
Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Chrono Cross live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah!